nouveau numéro du Club des Baroudeurs spécial Égypte. Nous sommes en croisière sur le Nil. Deux jours, une nuit, sur une felouque. C'est cap, sur le Nil. Sa croisière. Sachez que deux jours, une nuit suffira largement, très franchement, sauf si vous avez vraiment l'esprit aventureux. Pour le reste, vous partez d'Assouan, vous allez jusqu'à Komombo, c'est la croisière classique, c'est celle qu'on vous conseille. Nous, on a fait un petit surplus, parce que je l'ai souvent fait. On s'est fait amener un tout petit peu plus proche de Komombo pour pouvoir faire les carrières de Jebel Selsiyeh. Pour vous donner un ordre d'idée sur les tarifs, sachez qu'on était une dizaine, on a eu une grande felouque. On a payé plus d'une dizaine d'euros chacun pour la croisière en felouque, pour la nourriture et pour l'eau. Sachez qu'on a mis également un petit peu plus d'argent, évidemment une quinzaine d'euros pour les transports. C'est-à-dire qu'on avait un bateau moteur avec nous, on avait également un minivan qui nous a amené ensuite jusqu'à Louxor. Donc en tout, ça nous a coûté un petit peu plus de 35 euros par personne, une dizaine. Sachez que si vous êtes un ou deux, ça vous coûtera forcément plus cher, mais prenez un plus petit bateau, une centaine d'euros environ, négociez ferme, quoi qu'il arrive. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de concurrence en ce moment, donc on peut se permettre de marchander les prix. Pas trop quand même, sinon on se retrouve avec un capitaine qui va vous faire à manger, les pâquerettes, et vous risquez de finir au fond d'une île si le mec est pas super doué, c'est arrivé hein. Allez, on est parti pour deux jours, une nuit sur la felouque, une croisière au fil du Nil. Là, on prend vraiment le temps de se reposer, d'observer la vie des gens. La vie des gens du fleuve. Ici, un âne en train de brouter, quelques buffles sur les bords de la berge, des enfants en train de se baigner, des pêcheurs au loin en train de battre le fleuve pour pouvoir attirer les poissons. Mais quel plaisir de naviguer sur ce fleuve mythique et légendaire. 6700 km, c'est avec l'Amazon le plus grand fleuve du monde. Il prend sa source pour le Nil Blanc, dans les montagnes du Burundi, le lac Victoria, et pour le Nil Bleu, dans le lac Tana, en Éthiopie. Je vous rappelle en effet que le Nil, qui est en Égypte, est l'union de ces deux fleuves, Nil Blanc, Nil Bleu. C'est le Nil Bleu qui lui amène son limon fertile, ou en tout cas qui lui amenait, parce qu'après le barrage construit dans les années 70, il n'y a plus de crue en Égypte. Mais quoi qu'il en soit, c'est une véritable oasis en plein désert. Là, 90% de la population égyptienne vit sur ces berges. C'est énorme, sans le Nil, l'Égypte ne serait qu'un désert. Et on le voit bien quand on fait notre petite croisière en felouque. Dernière petite chose, attention, en haute saison, c'est un peu moins tranquille, il y a les gros bateaux qui passent et qui font Louxor à Assouan, et là ça ressemble plus à une autoroute qu'à une petite balade bucolique.
plusieurs possibilités s'offrent à vous pour la croisière sur le Nil. Alors la première solution, c'est celle que nous avons choisie, c'est la moins chère évidemment, la plus aventureuse, hein, la plus camping aussi, c'est la Felouque. On dort à même le bateau, sur des matelas quand même, attention, hein. Pensez à amener un bon duvet car les nuits sont fraîches sur le Nil. Sachez également que les bagages sont mis en dessous, on mange sur le bateau, on va à terre pour faire son pipi caca au milieu de la pampa, c'est vraiment rustique. Si vous avez un peu plus de moyens et si vous êtes un peu moins aventureux, la sandale, c'est une bonne solution, on vient d'en croiser un. Hein. Ces gros bateaux de transport qui ont été transformés pour les touristes avec des cabines, hein, 80-90 euros je crois, la nuit. Sachez enfin que si vous êtes en frais et que si vous voulez vous faire un petit peu un voyage à la Agatha Christie, il reste la fameuse Dahabieh. Plus gros bateau, tout en bois, deux mâts cette fois-ci avec de belles voiles, deux voiles. Hein, on dort sur le bateau, on mange sur le bateau, en all inclusive, on s'est renseigné à Luxor. C'est une centaine d'euros par jour. Attention, deux jours, trois jours, trois nuits minimum. Mais là, c'est un autre voyage. Cette année, on a sorti les grands moyens. Motoboat, Felouca, la totale. Il n'y a plus qu'à boire l'apéro et je crois que on sera bien là. N'a jamais vu un coucher de soleil sur le Nil, n'a jamais vu de coucher de soleil. Bon, c'était pas la nuit du siècle. Les différences de température diurne et nocturne sont assez fortes en Égypte, même au mois d'octobre. Il est 35 la journée et la nuit sur le Nil, il peut faire frais. Donc le sac à viande, pourquoi pas, mais je crois que le sac de couchage, ça serait une bonne chose. Donc prévoyez ça dans votre petite valise. Et puis un petit peu de courage aussi, parce que les matelas sont un peu durs. Bon, on va s'en remettre.
Ça fait des années que je rêve de m'arrêter ici, à celle-ci-là, les carrières pharaoniques, et un livre ouvert sur l'histoire des chantiers des pharaons. Sachez que toutes les pierres qui sont ici derrière moi ont servi à construire Karnak, Edfou, Komombo, tous les grands temples égyptiens ont pris leur grès ici. On voit encore les traces des ouvriers dans la montagne. Nous sommes devant le Spéos de Horenep, un temple creusé à même la pierre. À l'intérieur, de superbes gravures représentent Hapi, le dieu Nil, Amon évidemment, mais également Sobek, le dieu crocodile, hein, ou Toaret, la déesse hippopotame. C'est parti! À propos, 14e siècle avant Jésus-Christ quand même, c'est le successeur Toutankhamon, Horenep. Une scène superbe. La déesse Hathor Isis en train de donner le sein au pharaon extraordinaire, encadré d'Amon et de Khnoum, le dieu bélier, celui qui ouvre sa sandale, rappelez-vous, pour la crue du Nil. Au moment de la crue, l'eau du Nil devait monter jusqu'ici et devenir, lécher les pieds de tous les dieux en majesté derrière. Ils ont un petit peu disparu, mais on reconnaît aisément le dieu Amon. J'étais jamais venu ici, je suis tout excité, c'est superbe. À l'époque de Ramsès II, en pleine apogée de ses carrières, 10 000 ouvriers travaillaient ici. Chaque chef de chantier, chaque équipe laissait dans la pierre les traces de leur travail. Ici, vous avez une remarquable pierre. On est en au-dessus du Naos de Horenep. Et partout, des traces dans la pierre de striles, de ces ouvriers qui se sont échinés ici, qui sont peut-être morts ici, hein, pour honorer évidemment les commandes du pharaon et construire ses temples. Sur 2 km, des chapelles funéraires de tous les côtés qui devaient être inondées au moment de la crue et qui étaient censées honorer Hapi et honorer le dieu du Nil. Les plus belles, 4 stèles monumentales, 4 stèles royales. Au fond, c'est parti, suivez-moi. Allez, des stèles royales, enfin des stèles royales, également des stèles funéraires. Les nobles venaient se faire enterrer ici. C'est sans doute pas des tombes, on n'a pas retrouvé beaucoup de sarcophages, mais c'était également une façon d'honorer le dieu Hapi, hein, de se faire construire ici, hein, pas très loin des sources du Nil, hein, et de Khnoum avec sa sandale, je vous l'ai déjà raconté. Hein, c'était une expérience unique, chacun voulait, si on en avait les moyens, se faire construire une chapelle funéraire ici. Il faut imaginer que c'est ici qu'à l'époque de Ramsès II, 10 000 ouvriers s'échinaient sur les blocs derrière moi pour rapatrier tous ces blocs direction Louxor, Memphis, Thèbes évidemment à l'époque, hein, pour construire les temples des pharaons de l'autre côté du fleuve. C'est plutôt les carrières d'époque ptolémaïque pour Komombo, Edfou, Esna, etc. De chaque côté, des trous pour amarrer les bateaux et charger les gros blocs de pierre qui ensuite iront direction, avec le courant, hein, direction Thèbes. Superbe petite
chapelle funéraire creusée à même la roche. En face, le Nil, l'inondation arrivée jusqu'au pied de la statue. On voit même des trous dans le sol. C'était peut-être également des tombes. Allez savoir. Bon, les policiers et les 2-3 enfelouqués qui sont par ici vous proposeront de faire des visites et vous montreront, on n'a pas très beaucoup de temps finalement, vous montreront peut-être des petits secrets. Il faudra lâcher un petit bakchich sans doute, mais ça permet quand même de découvrir comme jamais ce site assez unique en Égypte. Ces chapelles funéraires sont assez remarquables, on y voit toute une famille en majesté, la main sur le cœur, en attendant la montée de la crue et l'arrivée du dieu Hapi. Oui, pour notre petite excursion de fin de croisière, on a utilisé le motoboard, beaucoup plus maniable et beaucoup plus rapide pour rejoindre Jebel Silsileh. Notre randonnée et notre croisière s'achèvent ici, au pied des carrières pharaoniques. Mais l'aventure n'est pas terminée, hein. Nous retournons sur Louxor pour terminer notre voyage.